Allez, salut à tous les amis, c'est Learn2Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super super bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Prison, putain faut que je me le mette dans la tête, The Prison Architect pour commencer cette nouvelle prison, cette prison exceptionnelle sur un grand terrain qui va être absolument fabuleuse. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai déjà commencé à faire les plans. Ça m'a pris un petit peu de temps, enfin en plus avec toutes les autres vidéos, des tentes, les machins, les découvertes, voilà, ça me... Du coup j'ai pas vraiment eu le temps de tourner du Prison Architect, mais là j'ai fait ça cet après-midi, j'ai fait les plans, j'ai planifié un petit peu. Alors je sais pas si c'est la manière la plus optimisée de créer une prison, mais en tout cas j'en suis assez fier. Vous aurez sûrement des choses à redire, mais c'est pas super grave hein, que ce soit pas super optimisé. Et il y aura toujours mieux ailleurs de toute façon, mais c'est pas très grave. En tout cas je suis assez fier de ce que j'ai fait maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le truc. J'ai fermé les admissions pour éviter d'avoir des prisonniers, parce que vu tout ce qu'on a à construire, ça va mettre du temps, hein, clairement je vous le dirais que ça va mettre du temps. On a pas mal d'argent en banque, on a 380 000. Oui, on m'a expliqué pourquoi j'avais 380 000, enfin c'est complètement con en fait, c'est parce que j'avais 350 000 de la vente de ma prison, plus les 30 000 qu'on a au départ, plus ça, donc plus 20 000. Je vais prendre les prêts de base, hein, centre d'administration, construire du bon, embaucher un directeur, débloquer quelque chose, bah, plus ça. Et on va essayer de réaliser ça et ensuite ouais, ça va nous faire du fric. Donc ce qu'on fait, on a nos petits ouvriers, il va falloir beaucoup beaucoup de monde. Donc je pense que la première chose à faire c'est embaucher un directeur. Et embaucher genre voilà, beaucoup beaucoup de monde parce qu'il y a du taf. Alors déjà je vais vous faire un petit tour du propriétaire juste avant de commencer. En termes de sécurité, j'ai opté pour un double mur, enfin un chemin de... comment on appelle ça, un chemin de ronde quoi, comme le rideau de fer en gros. Enfin je prends ça comme exemple, c'est débile, mais vous voyez vous avez deux murs, enfin je montre avec mes doigts, c'est vrai aussi, c'est complètement con. Ici vous avez, hop voilà c'est mieux comme ça, vous avez deux murs. Ici je vais mettre d'ailleurs des portes. Vous avez deux, je vais prendre les concrete walls avec des barbelés au-dessus, vous voyez, avec au milieu un chemin où il y aura des gardes pour patrouiller toute la journée en fait, 24 heures sur 24. J'ai fait ça sur tout le tour du terrain, donc normalement il y aura pas trop de problèmes au niveau des tunnels et des choses comme ça, puisque ça devrait bien les faire chier s'ils essaient de faire des tunnels. J'ai coupé en deux en fait le terrain avec ce chemin de ronde, parce qu'ici en fait ce sera la deuxième section de la prison, plus si on achète d'autres terrains, enfin je verrai un peu comment je m'arrange, c'est pour vraiment catégoriser en quelque sorte la prison, parce que là je pense que je vais mettre que des prisonniers de type normal, enfin de au risque normal, parce que les risques faibles ça rapporte que dalle, il faut le dire. Et puis puis voilà, j'ai pas envie de commencer non plus avec des risques max, des prisonniers en sécurité maximale, ça risque d'être un petit peu chaud à gérer. Donc voilà. Au niveau des infrastructures, alors je vous explique direct, ici on a la zone de bureau, avec en face la zone de surveillance, ensuite au-dessus nous avons la zone d'export avec l'espace pour la sylviculture. Ici je vais faire pousser des arbres pour pouvoir les revendre. Nous avons ensuite un bloc ici, un deuxième bloc là, une cour, là je vais probablement faire une deuxième cantine. Parce que là vous voyez déjà qu'il y a trois autres blocs, 1, 2, 3, avec une cour au milieu, une salle commune sur la droite, ici nous avons une cantine et une cuisine. Ici nous aurons un workshop avec une librairie, qui est une des nouvelles salles apportées par l'update 29D, enfin 29 je sais pas combien, puisque apparemment ils ont fait des... Ils ont fait quelques ajustements. Merde. Pardon. Nous aurons donc ici le holding cell au milieu. Nous aurons la salle de liberté, de libération conditionnelle juste ici. Et en dessous, nous aurons le parloir. Voilà, pour donner un accès assez simple aux familles. Enfin, assez simple.
Si je puis dire, c'est pas vraiment trop trop le cas. J'ai fait une entrée un petit peu spéciale, un petit peu architecturale. Enfin, en fait, c'est un peu bizarre, j'ai fait au hasard. Donc, ici, il y aura les portes, hein, une zone de stockage juste pour les employés. Mais sinon, y a deux entrées, en fait. On peut rentrer par ici et par ici. Là, on va mettre l'électricité et la flotte. Et je pense que c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Ici, j'ai fait une espèce de petite chapelle. J'ai fait une forme de chapelle, hein. Alors, je sais pas si ça ressemble vraiment, vraiment à une chapelle, mais vous voyez un petit peu le design. Ouais, non, bon, bref, je vais pas faire un truc dégueulasse. Ce que j'aurais dû faire, c'était plutôt... Ouais, non. Bon, bref, ce sera la chapelle, ici. Et puis, je crois qu'on est bon... Ici, on aura une laverie. Ah bah tiens, une laverie. Une laverie, c'est ça qui manquait ici aussi. Va falloir que je pense à faire une laverie. Bon, bah j'ai plein de trucs à faire. Oui, j'ai oublié de vous dire. Ici, nous aurons un chenil avec l'armurerie. Donc une zone de sécurité renforcée. Ah bah tiens, là j'ai la place pour mettre un bâtiment. Je sais pas ce que je vais faire. Et dans cette zone, nous aurons les salles de cours. Dans ce carré-là, je sais pas ce que je vais mettre non plus. Ouais, pour optimiser l'espace, c'est assez, assez tendu, hein. Là, je sais pas ce que je vais mettre. Et puis, bien sûr, entre, il y aura des chemins, de la décoration. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. On va commencer par faire les bureaux. Parce que notre directeur a besoin d'un bureau. Voilà, comme ça, c'est dit, c'est clair. Vous allez me faire ça. On va mettre une porte de base, bien évidemment. Hop, vous pouvez pas savoir comment je suis heureux de recommencer une nouvelle prison sur de très bonnes bases avec enfin des fonds, de l'argent pour faire un petit peu ce qu'on veut en fait finalement, pour être assez libre. Ensuite, nous allons lancer la zone pour l'électricité et l'eau et la zone de stockage. Sur la zone de stockage. Donc, finalement, j'ai chié là. J'ai complètement chié ici. On va faire un truc comme ça. Voilà, comme ceci. On va voir comment ils vont se débrouiller. J'ai pas mis d'entrée, c'est normal. On va mettre des portes. Des portes pour le personnel ici. D'ailleurs, non, ici je vais caler un mur. Oui, de toute façon, il y sera. Va falloir que j'enlève les plans d'ailleurs quand j'aurai terminé. Ici on va mettre ici comme ceci. Voilà, on va pouvoir installer l'électricité. On va augmenter un petit peu le temps. Donc ça se construit, c'est parfait. On va pouvoir installer le premier bureau. Ah bah j'ai pas débloqué la... Est-ce que j'ai la bureaucratie? Non. C'est où la bureaucratie déjà? Ah oui, c'est ici. Donc on va faire les premiers achats, les premières recherches. Donc comptable, sécurité, micromanagement... Il me le faut. Règlement intérieur, ça je m'en fous pour l'instant. Contre-maître. Réinsertion. Ah bah voilà, ça c'est un nouveau personnage, le psychologue. Secteur santé. Pour l'instant, je crois qu'on est bon. Il y a de la recherche, il y a de la recherche. Ok, ça c'est fait. Bon, alors, ils ont fait cette première salle, c'est parfait. On va pouvoir faire la zone de stockage. Magnifique. Porte du personnel obligatoire. Nous allons installer le générateur ici, la flotte en dessous. J'espère que j'aurai assez parce qu'en fait j'ai pas fait gaffe. Mais vu la taille du truc, je sais pas si je vais avoir besoin d'une nouvelle station électrique. That is the question. Faudrait peut-être que je fasse le tour aussi d'ailleurs. On va pas faire tout le tour pour l'instant, on va juste faire ce tour là. On va voir combien ça me coûte, je préfère... liquider ce truc, si je puis dire. Ah, j'ai pas fait une zone... Va falloir que je fasse une zone... vous savez, de stop, là. Enfin, tu sais... comment ça s'appelle, d'ailleurs? Comment ça s'appelle? C'est... À chaque fois, j'oublie... Vous savez, c'est les portes, là, sur la route. Comment... Zone de transit, peut-être? Portail routier, exactement. C'était donc ça. On va foutre ça là. Et puis on va faire une grosse zone. On va entourer ça de barbelés, bien évidemment. Pour garantir. Non, même. Non, nous on est des riches. On va mettre ça. C'est encore mieux.
Et je vais commencer donc par faire tout le tour de ma prison, voir combien ça va me coûter. Ok, ça va coûter une blinde. Bah finalement en fait je vais peut-être pas faire les deux couches. Je vais juste faire la couche externe avec ce type de mur. Les murs d'enceinte. Et l'intérieur je ferai en fil barbelé. Parce que en fait ça coûte une blinde, cette saloperie. Ça coûte une putain de blinde. C'est abusé ça, combien. Ça me coûterait combien si je veux faire ça là? 16 000. On commence avec 30 000 dollars. Bah écoutez, il faut payer le prix. J'accepte. Oui, je vais dépenser beaucoup d'argent, je sais, je sais. Je sais, mais c'est pour le bien de la prison. C'est pour le bien de la sécurité de tous. Et j'ai assez d'argent, donc j'en profite. La zone d'export. On va faire avec un mur de base, bref. On va voir ça. Et voilà. Bon, on va faire l'extérieur. Ça m'aura coûté une bonne blinde. Quasiment 100 000 dollars. Bon, on va mettre le temps à fond pour qu'ils puissent construire ça rapido, rapido. Vraiment rapido. Matériaux, j'ai pas fait ici. Donc l'intérieur, ouais, je pense que je vais plutôt opter pour... Je vais plutôt opter, chers amis, pour du fil barbelé. Hein. Parce que c'est vrai que ça coûte très très cher quand même. Hein. Ou alors du mur. Du mur 50, 3. Ou alors du mur, éventuellement. Ça coûte beaucoup moins cher. On peut se faire avec du mur, c'est ce que je vais faire. Ça aussi, ça va me coûter une blinde, mais c'est pas grave. Bon, ça coûte beaucoup moins cher, y'a pas à dire. Hop là, voilà, on a fait le tour de la prison. Bon, on va faire ça comme ça. Oui, non, faut que j'arrête de faire clic droit alors que ce sont les plans. Ok, bon, ça construit, ça construit, ça construit. À l'intérieur, je vais faire du sol. Je vais faire du sol, bon évidemment je suis obligé d'enlever ça parce que sinon ça va être horrible. Je crois que ça fait un peu planter les plans, je suis pas sûr. Je crois que ça fait légèrement ramer quand il y en a beaucoup en fait. Donc ça voilà, on va l'enlever, on en a plus besoin. C'était censé modéliser les chemins, hein, oui oui. D'ailleurs à l'intérieur on va mettre un sol exprès pour que les gardes puissent se déplacer très rapidement. Donc on va choisir le vitesse de déplacement le en extérieur. En extérieur, extérieur uniquement, bah, les dalles en pierre ou les dalles de béton. Je pense plutôt de béton. Parce que bon... à l'extérieur, ouais, enfin à l'intérieur d'un vieux couloir comme ça, je pense que je mets du béton. Ça fait plus prison, vous voyez, t'sais. Genre le mec est un peu horrible. On va commencer par faire un bureau, enfin un premier bureau. Parce que le pauvre monsieur directeur, il a pas de bureau. Pauvre monsieur le directeur qui n'a pas de bureau. Il n'a pas de bureau, le directeur. C'est pour ça que je vais lui en faire un tout de suite. Alors, mon cher directeur, tu auras ceci, un petit bureau avec une petite chaise et toujours comme d'habitude, l'armoire de rangement. C'est magnifique. Avec une porte, bien sûr. Avec l'encadré Monsieur le directeur. Bon, j'ai fait un truc un petit peu spécial pour les bureaux, je vous l'accorde, un truc un peu... entortillé. Voilà. Comme ça, c'est dit. Donc c'est déjà la nuit et ils ont toujours pas fini. Hein. Vous voyez, heureusement que j'ai coupé l'approvisionnement prisonnier, sinon... Enfin, l'approvisionnement prisonnier. Ce n'est pas une marchandise, voyons. Vous voyez que ça met du temps. J'ai pas envie d'embaucher plus de mecs parce que ça me ferait perdre de l'argent, sachant que je vais les virer. Par contre, je vais leur donner des ordres. J'adore donner des ordres.
Ici, vu que l'architecture est un petit peu spéciale, on va faire un carré comme ça. Je casserai ces deux pans de mur là. Voilà, comme ça c'est fait. On va mettre deux portes pour le personnel ici. Et on va mettre des portes pour la cantine. On va mettre des portes like that quoi. Ah non! Non, c'est pas ça que je voulais faire. J'avais oublié qu'il fallait. J'aimerais bien que ce soit dans un seul bloc. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc attendez. Du coup, je pense que ça m'a. Je sais pas si ça m'a tout rendu. Vous voyez, j'aimerais bien que ce soit unibody, comme on dit. Vraiment que ce soit. Que tout ça soit regroupé dans un seul bâtiment, si. Si on veut en fait. Donc, oula. Au pire, pour la cantine, on se débrouillera. Donc voilà, faudrait que tout ça soit 46 000. C'est beaucoup. Eh, ça bouffe du fric, hein. Ça bouffe du fric. Je vous le cache pas, ça bouffe du fric. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici on va mettre une porte. Voilà, parce que je mets des entrées moi. Ils vont construire ça, ça va être énorme. Donc là ça regroupe trois blocs. Une cour, une salle commune, cantine, douche, cuisine, il y a tout dedans. Là c'est une mini ville hein. C'est une mini ville et ça m'a coûté bien cher. Bon, ils vont construire tout ça pendant la nuit, c'est parfait. Ils ont fini les murs d'enceinte. C'est nickel, c'est nickel. Bon, durant cet épisode, je vous le dis, ça va être uniquement de la construction. C'est un peu pour introduire donc cette sorte de deuxième partie de cette série sur Prison Architect. Le renouveau, c'est vraiment le renouveau. On sent que le directeur a pris un peu plus d'expérience. Bon, allez, ça construit, ça demande beaucoup de matériaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça construit. C'est énorme ce que je leur ai demandé, hein. C'est énorme, et vous voyez que là je vais pouvoir caser. J'ai pas fait le calcul, mais en gros un bloc ça ressemble à ça. Vous avez une douche au milieu, et puis vous avez toutes les cellules qui font du 2 sur 2, parce que je vous rappelle qu'avec le mod que j'ai installé, on peut faire des cellules de 2 sur 2 au minimum. Donc là, sachant qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 fois 2, 32. 32, ça fait 64. Donc là, pour un bloc de ce type là, ils sont pas tous de la même taille hein. Je crois que celui-là et celui-là sont de la même taille. Mais ça fait à peu près, vous voyez, 64 prisonniers par bloc. Donc c'est plutôt conséquent finalement. Je pense que dans cette partie de la prison, on aura quasiment presque 200 prisonniers. Ce qui est pas mal hein. Alors là, dans la deuxième, on en aura encore plus. Vous imaginez le truc, ça va être fabuleux. Donc on va attendre qu'ils aient fini ça. C'est vraiment titanesque, hein. Je sais, je suis au courant. C'est franchement titanesque. Je vais pouvoir designer les pièces maintenant. Forcément, je vais leur demander de détruire des trucs. Donc ça, c'est fait. Ils ont bientôt terminé. Attends, c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Débloquer les comptables via l'administration. Le bon mec, il n'a pas de... Mais ils l'ont pas découvert, ça? Oh, merde, c'est pas ce menu-là. Est-ce que c'est ce menu-là, 5 heures? Ah ouais, en fait, il recherche le comptable en dernier, j'ai l'impression. Ok, c'est construit. Bon, c'est magnifique. C'est fabuleux. Ah ouais, merde, ici ça va être à l'extérieur. Bon, déjà, les gars, oui, je sais que ça fait perdre un peu d'argent, je vous l'accorde, mais vous allez me détruire tout ça. Parce que ça, je veux que ce soit dehors. Donc forcément, ça m'a coûté un peu plus d'argent. Faudrait qu'on réalise les prêts. Donc ça c'est fait. Ok, c'est parfait. On va pouvoir commencer à faire un premier bloc.
on va attendre qu'ils détruisent ça. Donc avant, on va construire ceci. Ceci, qui, ce bâtiment qui, je vous le rappelle, va accueillir la salle de liberté conditionnelle, le parloir et le holding cell. Bien évidemment. On va mettre une petite porte comme ceci. Voilà. Je vais peut-être, pourquoi pas, commencer à mettre les premiers câbles. On va relier la pompe à flotte et on va mettre de l'électricité chez notre ami. Ah oui, putain, des batteries. Attendez, attendez, attendez. Ça, ça va me coûter une blinde, mais c'est pour le bien de l'humanité. Bon, j'ai déjà réduit à... mais mon compte en à 187 000. Ouais, c'est... je l'accorde, c'est énorme. Donc ils auront une énorme cour, hein, une énorme cour. Ouais, si je pouvais... voilà. Donc ça, ce sera la cour. Je vais mettre de l'herbe. Ici, ce sera la salle commune. Vous voyez que ce sera... ouais, c'est grand. C'est grand. Je vous l'accorde, c'est grand. C'est très très grand. Ce qu'on va faire, c'est que... on va faire le... ça va coûter cher tout ça. On va faire le premier bloc de cellules. Là, ils ont tous les murs à construire. Je vous raconte pas. Bon, là, évidemment, c'est le moment pas super passionnant. Je pense finir tout seul la construction, hein. Comme ça, dès le prochain épisode, on pourra attaquer. Là, c'était juste pour vous montrer l'avancement des... enfin, pas l'avancement des travaux, puisqu'ils n'avaient même pas commencé. Plutôt la planification, en fait, de la prison. Du coup, je vais attendre juste que cette vidéo soit sortie pour avoir votre ressenti sur cette prison. Pour vous montrer un petit peu, voilà, si elle est pas... enfin, si elle est mieux que celle d'avant, finalement. En tout cas, on n'a pas de lac pour nous casser les couilles, ça c'est... le rêve. Parce que je... oui, ça me les avait bien brisés. Je dois l'avouer. Les lacs, ça perturbe un petit peu le terrain. Du coup, on peut pas faire des trucs bien symétriques, bien carrés comme il faut, comme j'adore. Voilà. On fait... ah, inaccessible. Qu'est-ce que t'as de... ok, ça construit... là je devrais... ouais, le problème c'est qu'ils vont construire à fond. Ils sont au taquet les mecs. Alors je peux pas faire les techniques de construction rapide malheureusement. À savoir en gros de faire un seul mur comme ça, vous voyez. Comme ça, bim, je vire là où il y a chaque porte. Le truc c'est que comme ils sont là, ils sont capables de me construire le truc. Sauf si je le fais comme ça. Voilà. Ah bah merde, je me suis chié. Démolir le mur. Détruisez-moi ça. Ah, ils sont au taquet les mecs, hein. Ils sont vraiment au taquet. Bon, on va finir les cellules comme ça, hein. Il nous reste 170 000. Ça va, on est bien. Donc voilà, un premier bloc. Un bon gros premier bloc. Vous voyez ce que ça va donner. Donc ceci étant fait, là on va mettre des murs. Parce que les murs c'est beau. Les murs c'est bien beau. Alors, nous aurons ici, comme je vous l'ai dit, la salle de libération conditionnelle. Nous aurons en dessous le parloir. Et nous aurons le holding cell. Les cellules d'isolement, je vous l'ai pas dit, mais elles seront probablement... j'avais dit où? Ici, je crois, ouais. Là, je vais mettre infirmerie, morgue et cellules d'isolement. Voilà, on va raccorder tout ça. Ici, je vais peut-être en faire un seul et même bâtiment. À voir, je ne sais pas. Donc, ceci étant fait, ils n'ont plus rien à foutre. Ok, ça, c'est pas bon signe. Déjà, j'ai envie de faire un truc. On va mettre de la pelouse. Ici. Et on va mettre genre... du sable pour faire le tour. Ah ouais, c'est ça qu'il faut que je mette, les gars. C'est du sable.
Faut que je mette du sable ici, là. Faut que je mette du sable entre. Le problème. Ouais, non, ouais, le problème c'est que. Le sable ça ralentit à mort. Le problème c'est que pour mes gardes, c'est pas le top. On va faire une double couche. Voilà, double couche de sable. Ça fait bien, bien court comme ça. Ah, c'est nickel. C'est nickel. Donc, je vais pouvoir commencer la cantine. C'est fabuleux. Ah oui, attendez, une chose. Pour éviter que ça vous pète les yeux encore et encore, on va faire ça. Réseau électrique. Optimisation. Voilà. Je sais pas si c'est la façon la plus optimisée d'installer l'électricité, mais on va voir ce que ça donne. Ouais, ça m'a déjà coûté très très cher hein, ces travaux, mais là on a de quoi faire. Je vais construire la cantine, donc les cellules, les douches, ça ce sera bon. Une salle commune. J'aimerais bien aussi, dès le début de la prison, si vous voulez, qu'on ait déjà une salle de sécurité avec des portes automatiques. Ça, j'aimerais vraiment, ce serait sublime. Du coup, je vais faire ça, je pense. Du coup, on voit que dalle. Faudrait peut-être que j'installe les lumières. On va mixer les couleurs de mur. Je fais de l'art, littéralement. En tout cas, j'ai beaucoup d'espoir dans cette prison. Je mets beaucoup, beaucoup d'espoir. J'espère qu'elle va marcher. Je mise beaucoup l'espoir. Alors, au niveau du personnel, est-ce que j'ai un chef? Ah ben, sauvegarde, un contremaître, un comptable et un psychologue. C'est magnifique. Ceci est magnifique. Je vais pouvoir leur faire des bureaux à chacun d'eux. J'ai compté, vous inquiétez pas, il y a 5 bureaux tout pile. Exprès pour nos amis. Bon, faudrait que je fasse les prêts là, construire 2 bureaux. Ben, ça tombe bien. Ça va nous donner 5000 dollars, ça va rembourser un petit peu. Bureau, c'est ici. On va mettre direct les salles, voilà. On va mettre la petite poporte qui va bien, le petit bureau qui va bien, la petite chaise qui va bien, avec le petit casier qui va bien, et on est bon. Et le temps passe déjà à fond. Le problème c'est que. Ah merde, il n'y a pas de. Merde, merde, merde. Il n'y a pas de porte. On va caler une porte ici. Les pauvres gars, je les ai enterrés ici, quoi. Ah bah voilà, le mec a installé la porte. C'est parfait. Du coup, ils peuvent aller installer tranquillement leur câble. Ah, ici, ils n'ont pas construit de mur. Ok, on est à combien de minutes? 27 minutes. Bon, on va pas tarder à se laisser là. Vous aurez vu, en tout cas, mon projet de prison, qui va être splendide. Je le sens, je le sais. Je ne me suis inspiré de rien du tout, les amis. J'ai fait ça comme un pro. Comment ça se fait que je gagne de l'argent? 1500, alors que je n'ai absolument rien. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est tout à fait bizarre. Bon, ça installe les câbles. Ça installe du câble là. Ça installe beaucoup de câbles. Ça installe beaucoup de câbles. L'électricité commence à arriver par ici. C'est clignotement, mon Dieu, ça ne veut rien dire. Ah, ouais, ici j'aurais dû relier peut-être. Ah, ouais, pas mal déjà. Là on est bien, là on est pas mal. Là on est pas mal. Ici il y a des petites zones d'ombre. Des petites zones d'ombre toutes mini, toutes mimi, toutes jeunes filles. Des zones d'ombre qu'on va éclairer tranquillement comme ceci. Et en haut, tout est. Bon, c'est nickel. Franchement, c'est nickel. J'ai bien géré sur ce coup-là. Là, j'ai envie de mettre du barbelé. Oh, on va mettre du mur d'enceinte. Parce qu'on est des riches. Non, ça vaut pas le coup. Trop cher. Mais en même temps. Ici, on va faire un joli truc. Là. Là.
Là, je sais même pas si c'est au milieu. On va le mettre comme ça. Ah, ça m'a pourri mon sol par contre. Il y a moyen qu'on refoute de la... du gazon dessus, hein. Non! Merde! Non, il n'y a pas moyen. Bon, c'est complètement con ce que je viens de faire. C'est complètement stupide. Bon, c'est pas grave. C'est complètement idiot. Non, c'est obligé d'avoir la terre de merde sur... Bon, c'est pas grave. Ah, c'est con ça, merde. Ça m'a fait perdre du fric. Bon, c'est pas très grave. Du coup, les amis, on va pas tarder à se laisser là. Je vais leur donner encore d'autres ordres. Vous allez me bâtir ça, j'ai perdu. Voilà, comme ça c'est fait. Vous allez me bâtir ça, voilà, comme ça c'est fait. Vous allez me bâtir la salle de sécurité. Vous allez me bâtir l'armurerie. Et puis on attaquera les autres blocs. Et puis il va falloir construire ça, hein. Voilà, comme ceci. Ça va être très spécial, hein. Ça va être très spécial. Bon, écoutez les amis, je vais continuer de mon côté. En tout cas, je suis très fier de vous avoir présenté notre future prison. Dont je suis fier. J'en suis fier. J'en suis très fier. Après, à voir si elle fonctionne bien. À voir si elle fonctionne bien, en effet, ouais. J'espère. Je devrais peut-être caler une infirmerie au milieu, là. Ça va pas le faire, sinon. Bon, bref. Ceci étant dit... On va mettre une porte là. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et plein de j'aime pour cette prison phénoménale, magnifique, tout ce que vous voulez, sublime. En espérant qu'elle fonctionne, en espérant vraiment qu'elle fonctionne, je... De tout mon cœur, j'y crois, chers amis. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour un futur épisode de Prisoner Architect qui va arriver très très vite. Je vais juste m'occuper de terminer ça et puis je reviendrai vers vous directement, peut-être dans la semaine, là, pour ce week-end. À voir, sachant que cette vidéo va sortir au jeudi. Là au moment où vous la regardez, on sera jeudi normalement si tout va bien. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez, salut à tous.